Bonjour, bonsoir. C'est émission d'interview qui entre la caillou. Jeudi, on a pour recevoir Fénil Gordon-Désir, qui est secrétaire exécutif du Parti politique Haïti 2054. Avec lui, nous pourrons connaître plus sous Haïti 2054 et nous pourrons connaître tout qui compréhension sous situation politique qu'a traversé le pays. Bonjour, bienvenue sous plateau émission d'interview. Bonjour Naïma Michel, et bonjour téléspectateurs et Télépacifique et l'émission et interview. Et merci pour l'invitation et n'a profité saluer camarades nous Haïti 2054 yo, à travers tout pays qui captent des noms et aussi camarades nous qui sont en diaspora. Et parlez-nous en détail sur Haïti 2054. Haïti 2054, c'est un parti politique générationnel qui peut prendre naissance li dans contexte et 6 7 8 juillet 2018 côté que peuple haïtien te pose une grande question historique et là un groupe jeune d'horizons divers pour aller décider jeune femme jeune garçon décider mettre tête ensemble pour répondre à grande question historique ça. Donc dans contexte ça, jeune ça sorti septembre 2018 pour arriver et décembre jusqu'à janvier côté que ont commencé réunir et pour discuter tout ça qui gagne pour eux et à grande question population ont déposé dans période et juillet 2018 là. Donc les Haïti 2054 et bâtir l'émission pour répondre à grande question historique ça après constat qui fait après plus passé et 33 ans ou 34 ans c'est-à-dire depuis 86 à nos jours. Donc Haïti 2054 c'est un parti politique générationnel qui bâtir l'émission pour et faire Haïti une grande nation qui pour faire que en 2054 nous capables fêter 250 ans nous dans dignité alors 250 ans indépendance dans dignité et fierté nationale. Mais on pas quel parti politique nous qui existait qui sous béton déjà et qui t'ai fait même qui t'ai dit il y a même plus grande philosophie passée nous plus grande vision mais nous dans les faits et il y a un paquet qui décriait sur la scène politique nous même comment nous voulons faire différence c'est Jean Oudia après un nombre de temps pour faire Haïti fêter dans la dignité indépendance dans la dignité et comment nous pourrons procéder pour nous faire ça nous mêmes écoute Naïma et si vous suivez et si vous voulez parler de avant 7 février 2019, c'est possible, c'est peut-être même réalité. Mais nous autres, si nous parlons de après 7 février 2019, ou à partir même de 7 février 2019, 33 ans de constat d'échec génération 86 ans sont notre réalité. Écoute, Haïti 2054 dit, li sorti pour répondre à la réalité et politique, demande population, grande question historique ça. Si vous suivez, génération 86, yo, oh, tout parti politique ça, yo dépassé. Yo dépassé par demande population. Yo dépassé d'ailleurs par conception yo. Yo pas fait pour ça. Et ceci est tellement grand, sou gade bien, yo pas jamais capable river en temps yo. Yo pas jamais capable river et en temps yo son projet national. Donc c'est ça Haïti 2054 qui lui-même qui différent dans conception ni. Les nou chita nou fin fait constat de 86 à nos jours côté que monsieur yo, alors, génération 86 là, t'es bataille pour sortir de la dictature, c'est vrai.
yo mérité ça et nous baïol. Mais cependant yo te promettre nous progrès. Yo te promettre nous et sécurité. Yo te promettre nous et la vie meilleure. Et sous différentes formes de slogan. Sou gade ou ap joine l'autre là qui te dit ou roche nan soleil yo pral kont dou les roche et alors roche nan dlo yo pral kont dou les roche nan soleil yo l'autre là li même li dou et nous n'ap met manger nan assiette ou est-ce que ou joine ni non est-ce que l'autre yo kont dou les nous non donc Haïti 2054 li même li dit le fait que parti politique traditionnel sa yo pas de concevoir pour type de demande population. Pas vrai? Donc, qu'on y a nous-mêmes, nous venons avec un projet futuriste. Pas vrai? Mm-hmm. Un projet sous 35 ans qui commençait avec une question de stabilité politique. Les 7 marches. 7 marches, ça veut dire qu'on a d'abord stabilité politique, qui c'est le premier marche là. En dans stabilité politique là, Haïti 2054 à travers pays et diaspora, nous parlons dit ensemble à travers dialogue générationnel tout naponéen nous pral dit ensemble mais qui ça nous doit faire pour la stabilité politique et là nous passer dans deuxième nan par rapport à tout tort social génération ça yo classe politique ça fait nous donc nous dit que il faut la réparation sociale. Haïti 2054 sont parti politique de réparation sociale. Et ça, c'est deuxième marche là. Et ensemble, les nous gardons tout. Il y a fait jeunesse là, ouvriers, policiers, paysans. Côté jeunesse là, quitté pays, aller Chili, aller Brésil, aller Saint-Domingue, tout partout dans le monde. Il y a fait nous abandonner pays nous et nous capables souffrance. Et tête chargée, y a enduré côté rien. Donc tout tort social ça yo, Haïti 2054 dit faut nous réparer yo. Et nous d'accord pour nous réparer yo. Mais on pas dit comment. On va y arriver. Et l'ojoine et dernier et troisième marche là qui c'est la modernisation économique. Et modernisation économique là comme nous dit que l'ensemble et comment c'est l'ensemble côté que Haïti 2054 là nous dit nous mettez 7 marches et l'ensemble de la population on va consulter toute la population pour nous dire mais comment nous ouais et stabilité politique là mais comment nous ouais et réparation sociale yo mais comment nous ouais ensemble modernisation économique là mais en établissant yon l'état fort l'état fort on progrès pour tout le monde là nous dit yon l'état fort. Nous pas dit yon l'état pour un groupe qui est masse population yon l'état pour pour classe moyenne ou bien l'état pour bourgeoisie non c'est pas de ça n'a parlé nous dit yon l'état qui chita en la tête tout le monde sans pas oppresser tout le monde mais qui fort côté chaque citoyen gen même droit nous pas veut dire tout le monde a égal égo non c'est pas ça Haïti 2054 dit. Haïti 2054 dit chaque citoyen a égal égo devant l'État, mais cependant, si on travaille depuis 5h du matin jusqu'à minuit, on pas capable égal en termes économiques et autres. Avec si que moi-même m'a levé à 10h et puis me fin travail à 4h. Il pas même bagaille. Mais cependant, si me joine famille m'cap travail, me continue travail, n'a progresser. Nous pas même bagaille. Mais cependant, c'est pas l'État qui pour créer conditions dès le début qui fait que nous pas capable et pas gain conditions pour nous égal égo. Non, pas gain conditions pour nous capable progresser. C'est ça que fait Haïti 2054 dit ou nan, à travers philosophie idéologique nous néo-progressiste que progrès pour tout le monde. Et progrès pour tout le monde là, c'est là la sortie d'abord dans stabilité politique là. Nan réparation sociale là, nan modernisation économique là, nan et soutenabilité environnementale là, nan préférence culturelle et sportive, prédominance leadership dans Caraïbes là et grandette marge nous. Qui donc c'est toute marche ça vous monter pour nous arriver côté dia et
pour Haïti fêter l'autre indépendance après, disons, 30 l'année et pour nous capables de sortir dans le marasme côté nous. Qui donc nous prend, ouais, c'est vrai, nous comprenons toute belle philosophie ça, tout match ça pour nous monter, pour nous arriver au sommet, pour nous capables de l'autre pays. Mais maintenant, par rapport avec la situation qui a prédominé Kounia là, comment Haïti 2054, les mêmes, les comprennent et crise politique et pays à lui-même la traversée, qui a secoué nous un bon bout de temps. Et par rapport avec contexte là, et gens nous comprennent la situation politique là, nous-mêmes, comment nous pourrons arriver, établi et tout ça nous dit là. Écoute, et au lendemain de 6-7 et 8 juillet 2018, 9 septembre 2018, on a fait notre conférence nationale. Et conférence nationale, nous, et pour qui raison nous faisons? C'est parce que nous gardons classe politique ça, nous gardons, nous faisons constat, les bout, les pas capable encore. Les voulons renouveler tête. Li. Toute sale bataille, à chaque fois, il y a toujours le même résultat. Pas vrai? Donc, nous autres, là, nous faisons. Conférence nationale. Même bagaille, on a toujours joué le même résultat. Définitivement, définitivement. Certainement. Là nous Haïti 2054 dit nous fait conférence nationale pas nous, nous entendons nous et nous d'accord pour ne pas suivre classe politique ça. Pour nous pas bailler même résultat. Nous d'accord que nous connaît que nous t'ai qu'on marcher derrière. Donc nous dit nous pas marcher derrière encore parce que monsieur Obout, il est pas capable. Situation politique ça yo dépassé yo. Yo promet nous la conférence nationale et grand promoteur li n'a profité saluer et n'a regardé la grande conférence nationale mourir à tout promoteur. Ou yo parler de ça encore? Y a pédé promettre une série de bagages que yo pas jamais ka faire et pas jamais faire. Et ceci à chaque fois yo toujours joigne une raison pour yo pas faire. Donc c'est ça et nous autres en Haïti 2054 nous dit que c'est ça que fait nous dit, il faut faire un dialogue générationnel. Qui ça veut dire? Monsieur 86, yo, pas de gagner, yo pas t'entendre yo, sur yon l'État. Qui type de société vous voulez? Qui type de citoyen vous voulez? Qui éducation nous doit bailler, peuple noir? Donc, nous autres, en Haïti 2054, c'est ça que nous avons prôné, puisque chaque génération a une responsabilité par eux. Dessalines, tu as une responsabilité par pour Pétion, Christophe, pour te sortir nous dans l'esclavage. Mais l'esclavage qui n'en pied nous. Et pas ça qui n'en tête nous, non, parce que jusqu'à présent, yo, nous la donne à travers l'éducation yo, bah, nous depuis 1860. Donc, faut que nous entendons, nous, génération ça, nous avons une responsabilité, nous. Et c'est ça qu'on a profité, félicité, monsieur, dame, et Petro Challenger, yo, qui dans la société civile, là, avec bou, et question crime pétro-caribéen, faut que vous poussez. Faut qu'yo joigne et comme pétro-caribéen. Faut qu'yo aller vers l'avant. Faut que nous engager nous. Faut que jeunesse ça, génération ça, nous sorti dans observateur comme observateur, nous vinn acteur. Donc c'est ça nous-mêmes en Haïti 2054 n'a fait. Maintenant, et Jean nous t'a dit ya, et nous pour regarder en profondeur toujours situation politique surtout n'a vive là. Et donc, nous comprenons que le président Jovenel Moïse a parlé de questions élections qui pour organiser et pour ANEA, mais nous-mêmes, Haïti 2054, comment nous voyons la situation ça? Et nous sourions. Situation sourit tout. Oui. Pour qui ça? Parce que pour parler de élection, il faut que nous gagnions et ça nous relève. Sécurité. Et sécurité, si vous dites que vous allez faire élection, il faut que vous fassiez élection dans tout coin pays. Vous ne pouvez pas dire que vous faites élection dans des zones qui ne sont pas là. Donc, il faut que d'abord, si vous avez une vraie volonté pour aller vers élection, il faut que d'abord commencer à pacifier les zones côté que vous ne pouvez pas entrer. Sauf que, si vous dites que vous avez une zone, bon, vous avez déjà un groupe de gens, vous allez voter. Impossible. Parce que moi-même, si je suis candidat ou bien camarade Gilles est candidat, il faut que je sois capable d'aller dans la zone. Donc, ça, c'est une grande interrogation. Et malgré ça, Haïti 2054 proposait, c'est une condition sine qua non, que membres KEP, ça, c'est l'autre élément tout pour gagner l'élection, il
faut qu'on gagne conseil électoral. Mm-hmm. Et c'est là Haïti 2054 lui-même, il fait proposition que 8 membres KEPO qui étaient sont démissionnés, alors qui sont démissionnés en bloc. Mm-hmm. Nous voyons que c'est une opportunité pour Haïti. C'est une opportunité pour question à l'élection et à parler à quel que soit l'affaire là. Donc c'est ça qui fait nous dire que 9 membres KEPO font à chercher, font à choisir dans la diaspora. Pour qui ça? Vous avez posé mm-hmm, question ça? Justement. Pour qui ça? Écoute, depuis 86 à nos jours, nous avons une constitution 87 là qui te dit nous, conseil électoral là, tu dois sortir à partir des collectivités, dans les départements, dans les provinciaux et tout ça. Pas vrai? Constitution 87 amendée, dit nous, c'est trois pouvoirs. Est-ce que je vous dis, nous avons trois pouvoirs? Non. Constitution, dis-nous qui route qui doit faire. Et ça n'a pas jamais fait. Ça n'a pas jamais respecté. D'accord. Mais qu'on y a, les n'ont pas gardé résultat qui compte bail tout, avec tout secteur. Qu'on y a, qui démarche président, les commencer à inviter secteur, différents secteurs nationaux, mm-hmm. pour inviter eux, pour vos membres viennent participer dans le conseil électoral là. Gagner première option capable ça et il a commencé à faire déjà d'ailleurs, c'est ça nous t'ai fait dans proposition Haïti 2050 là il y a deux semaines de cela. Et gagner qui a répondre qui pour vos membres. Gagner qui pas répondre. Mm-hmm. Résultat blocage. Deuxième option, peut-être la présidence capable choisir. Il capable briller classe politique là et pour arriver à un accord politique, un dialogue politique. Ça et encore, on pas quelqu'un qui est racide qui pas blé chita. Gagnent pour le dire, pas de problème. Gagnent pas blé chita, mais gagnent cap dit tout, pas de problème. Mais on va mettre mandat là pour 2021 sous table là. Blocage pirate. Nous connaissons le scénario ça déjà. Blocage pirate. Donc, à ce moment-là, Hélène a gardé deux possibles blocages ça y a, plus résultat élection tout secteur ça y a, toujours bas avec une participation dans la communauté internationale à la donne. C'est mm-hmm. toujours le même type d'élection. Élection fraude, élection pas bon, élection magouille, pas jamais capable de joindre. Résultat, peuple haïtien a cherché depuis 200 ans, plus passé mm-hmm. 200 ans. Donc, par conséquent, c'est pour ça que nous autres, Haïti 2054, nous dit que c'est pas parce que Haïti n'a pas de monde, c'est pas parce que Haïti n'a pas de monde qui est sérieux, c'est pas parce qu'en Haïti n'a pas de monde qui est compétent. Mais nous avons longtemps utilisé les ressources que nous avons en Haïti. Mais nous avons un paquet de ressources qui sont dans la diaspora. C'est le moment pour nous faire appel avec eux. Puisque yo pas impliqué, yo pas youn nan protagoniste nan crise que nous vivons depuis plus passé 33 ans. Et surtout, attention. Là n'a parlé de choisir 9 membres dans diaspora, n'a parlé de grands professeurs nous gagnons, n'a bat bravo pour yo chaque jour, de grandes personnalités nous gagnons, n'a bat bravo pour yo chaque jour dans diaspora. Et là nous dit choix, faut que choix ça fait avec des personnalités et des mondes qui pas gain pied yo maré nan ken tab youn protagoniste qui nan crise dans la c'est de ça Haïti 2054 a parlé et voilà la proposition de Haïti 2054. Eh bien et nous pral prendre dernier aspect ça parce que ou t'es touché surtout jeune Petro Challenger yo et par rapport avec bataille à faire pour nous capable jeune comme Petro Caribea et qui donc d'après vous même pour qui ça jeune yo et comment jeune yo t'as supposé impliquer yo plus dans affaires pays yo et me pas qu'on est Haïti 2054 est-ce que li en grande partie on parti qui jeune ou bien est-ce que nous gagne des monde qui assez vieux donc dis-nous pour qui ça ou même ou ta pensé l'état important pour jeunes yo génération ça impliquer au plus dans affaires pays yo. Alors faut souligner pour nous et pour grand public là Petro Challenger yo pas composé seulement de jeunes.
Il est composé de tout le monde. Oui, certainement. Il est composé de tout le monde parce que. Mais question spécifique, non, c'est les jeunes. Mais question spécifique, non. Même le Premier ministre. Et nous avons demandé écoute compétence. Oui, tout le monde a demandé écoute compétence. Je ne sais pas si c'est. Mais au moins. Tout le monde a demandé écoute compétence. Donc, le Petro Challenger n'a pas composé seulement des jeunes. Mais cependant, comme nous te disons déjà, chaque génération a une responsabilité. Pas vrai? Si chaque génération a une responsabilité, nous-mêmes, génération ça, nous devons sortir dans le silence. Là. Même gens, équipe jeune, ça, yo, moins jeune, grand jeune, sortir dans le silence. Ils ont demandé comme Petro Caribéa. Et ce n'est pas seulement comme ça, non, ils ont demandé. Mais cependant, c'est ça qui est important dans le moment. C'est de ça qu'on a parlé dans le moment. Donc, nous demandons des jeunes, yo, puisque nous finit par comprendre que classe politique ça about, n'est pas capable encore. Et nous ne pas doué quitter ou renouveler tête yo. Et comme nous ne pas doué quitter ou renouveler tête yo, nous doué organiser nous. Organiser nous. Et c'est ça Haïti 2054 commencer fait. Commencer depuis 2018, 9 septembre 2018. Il organiser un groupe politique et de même on a besoin d'autres jeunes qui organisent un groupe de société civile et n'a demandé d'autres jeunes yo pour organiser autour un groupe politique, un parti politique. Pas chita al blofe moun, passer sous organisation, à passer sous fondation, sous non. Nous même faut nous faire politique là une autre façon. Ou vinn côté moun yo parce que les n'a traversé tout pays hein, visiter et pays hein. Yo dit non mais écoute, pour qui ça nous pas faire mouvement social et organiser nous en mouvement et puis après à convertir en politique. Nous même nous répondre nous dit écoute, vous voulez nous faire même ça, génération passée à qu'on fait. Ils ont commencé à être une association, ils ont qui ça, et puis après, ouais, c'est politique lié, après ça pour retirer quoi. Non, nous même nous faisons tout grand monde. Tout grand monde, et nous disons c'est politique que nous venons faire. Mais ils ont l'autre façon, ils ont l'autre gens. Ce n'est pas le même type de politique que nous avons toujours fait, que la femme avons toujours fait depuis 33 ans. Nous même nous venons de la vérité, hein? Nous venons de la réalité, hein? Et nous d'accord. Pour nous entendre sur le type de société, type d'éducation nous devons faire, population, type de l'État nous devons faire. Ça nous devons définir. Et quel que soit notre parti politique, nous devons entendre. Nous ne sommes pas obligés dans Haïti 2054. Ou quand dans tel parti politique X, puisque ou c'est de génération, nous devons entendre. Nous, mais qui ça nous voulait dans. Sous 35 ans qu'a vinn là, sous 50 ans qu'a vinn là, sous 100 ans qu'a vinn là que Haïti doit fêter indépendance li. M'a profité de souligner. Mais pour qui raison? Surtout nous mettez cap vers 2054 qu'a fait nos 250 ans indépendance. Est-ce qu'on connaît nous manquer rater indépendance nous. C'est-à-dire 1804. Nous manquer rater ou tuer Papa Dessalines, tout de suite après l'indépendance. Imaginons juste avant, nous avons raté lui. Est-ce qu'on connaît, nous avons raté 1904, 100 ans de l'indépendance. Nous avons raté. En 2004, là, à tout près, que je vive, que là, je suis là, je suis conscient, je vive, et je suis Saint-Domingue, je suis venu, nous fait nous rater. Ils ont parti dans la communauté internationale avec groupe classe politique ça, groupe mélangé avec toute équipe économique ça. Ils ont fait nous rater 200 ans. 200 ans pas pour personne, quel que soit parti politique qui sous pouvoir, il pas pour lui. Il pas pour classe politique ça, il pas pour économie et classe bourgeois ça, il pas pour personne, c'est pour nous, pour peuple haïtien lié. Nous pas rater quelque chose comme ça. Nous te doit fin fêter après une tombée bataille. Donc, il ne faut pas rater 250 ans d'indépendance, nous. Voilà notre objectif. C'est là que nous allons. Donc, c'est pour ça que nous dit que, génération pas nous, nous devons chiter ensemble pour nous entendre. Nous. Qui ça n'a fait? Laissez partir pour là qui est au pouvoir, ou à balcouler pour. Laissez partir pour là qui est au pouvoir, ma balcouler pour. Mais cependant, nous entendons. Nous. Mais qui bon nous allons? Mais qui route n'a fait? Mais qui éducation n'a pas? Mais qui économie n'a pas développé dans la société? Voilà.
Et nous comprenons le projet et nous sommes capables de dire son projet qui est assez louable. Mais on connaît à partir des paroles et des actions, ces deux bagailles peut-être des fois qui ne pas trop marcher ensemble, surtout avec les gens qui ont fait politique dans le pays. Ils ont dit un bagaille demain, ou réaction au département avec ça au TDA. Nous espérons que le temps pourra le sanctionner, toi, Haïti 2054, qui vient avec projet ça, philosophie ça. Et nous pourrons, ouais, et nous, par rapport avec la marche du temps, et Jean nous dit, n'a pas pied devant, qui ça, Haïti 2054, il va le remettre sous scène politique là, demain. C'est déjà dans la méthode nous commençons à utiliser, la population qui a commencé à comprendre, et qui ça n'a pas venu, qui ça nous va le remettre sous scène politique là. Elle nous dit que faut que nous entendons nous. Elle nous dit que et nous comprenons que classe politique ça a échoué. Donc nous pas doit suivre les, nous pas doit prendre conflit querelle qui existait entre eux même non. Nous pas doit suivre, nous pas doit la donner. Mm-hmm. C'est déjà une démarche pour montrer que nous autres génération ça, nous d'accord pour nous démarquer nous. Nous d'accord pour nous faire bagaille d'une autre façon. Et nous d'accord faut nous entendre nous. Parce que yon classe politique, yon pays, pas dirigé seulement avec moun ki au pouvoir. Oui, certainement. Opposition fait partie de la gouvernance. Donc ça veut dire que si vous faites partie, faut que nous comme ça, parce que moi malheureusement, vous pas comme ça. Mm-hmm. Si vous opposition faites partie de la place, gouvernance de moun qui a dirigé pays, donc ça m'a dit, faut qu'on côté nous entendons. Moi, en République Dominicaine, par exemple, m'a cité, les problèmes qui posaient. Et puis, Négio allait au fait pacte de la gouvernance. Et puis l'opposition, c'était Léonel, je crois, qui était le président à l'époque. Et puis toute classe et toute force vive nation Chita. Et puis l'autre parti politique Chita. Ils ont défini marche à suivre là. Et puis ils ont entendu ce point. Même pas ouais et opposition ou bien l'autre parti politique qui ont participé dans le pouvoir non. Mais tout dialogue que Négio fait ici pour entendre, c'est écoute, moi-même c'est tel ministère, moi-même c'est tel ministère, moi-même c'est tel ministère. Non. Certainement, nous besoin ça changer. Et c'est de ça nous-mêmes Haïti 2050 n'a parlé. Là nous dit que on l'autre politique, on l'autre façon de faire là, c'est pas venir nous chita pour nous négocier qui ministère m'a joindre, qui direction générale ou bien qui bon. Non, n'a dit que n'a pas entendre nous sous principe là. Haïti 2054 gen squelette programme ni qui sept marche. Donc nous allons entendre nous ensemble. À partir de ça, moi-même comme parti politique peut-être nous allons aller non alliance à l'autre parti politique Y, mais faut nous garder qui ça ou même ou gagner. Dernièrement, nous commençons à réunir, d'en profiter saluer camarades à APO que nous avec d'autres partis politiques dans génération, nous commençons à réunir dans cadre dialogue générationnel là d'ailleurs. Nous commençons à réunir ensemble avec eux pour nous entendre. Nous, qui type de société? Et effectivement, est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle constitution? Nous commençons à parler de ça. Nous commençons à faire discussion ça. D'accord, merci avec même Fénil Gordon Désir qui t'a participé avec nous dans l'émission d'interview. Merci Naïma Michel et pour l'invitation et à bientôt. Merci à vous-même qui t'avez suivi l'émission SAN. Mando pour rester branché Télévision Pacifique pour la programmation.